Hop bien le bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PUBG Mobile. La nouvelle map du coup Miramar est sortie. Évidemment, si vous avez du coup suivi à peu près les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, j'avais déjà testé du coup cette map sur la version mobile, sur la version du coup chinoise, la version Timmy, je sais plus exactement ce que c'était. Timmy? Je crois que c'était Timmy si j'ai pas de bêtises, mais un des deux, bref. Et du coup, honnêtement, j'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé parce que du coup, le gameplay est assez cool. La nouvelle map était vraiment faisait envie. J'en avais un peu ras-le-bol de l'ancienne map. Et donc voilà. Donc, j'ai pas testé, c'est honnêtement, c'est ma première game là. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas à quoi m'attendre parce que du coup, honnêtement, j'ai pas touché à PUBG depuis genre un mois. Clairement, j'étais un peu plus sur Ross et Last Day ces temps-ci. Mais je pense en refaire en stream, du coup je pense repartir en stream sur Twitch à l'occasion sur cette version, sur la version du coup globale avec la nouvelle map avec Miramar dessus. Et voilà. Voilà. Du coup, bah, comme d'hab, vous avez ma chaîne Twitch en description si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez rejoindre. Et voilà. Alors effectivement, en fait, j'étais un peu habitué à la version asiatique où en fait c'est pas que le gameplay est différent, mais la manière de bouger, tout ça, de sauter, de se mouvoir sur la map, c'est un peu différent. Mais on va voir, normalement ça va, ça devrait aller. J'espère juste pas mourir au début. Mais c'est histoire de tester le gameplay, de voir ce que ça va donner. Et voilà. Et il faut aussi avouer que sur la version asiatique, j'avais moins de lag par moment. Sur la version globale, il y avait des moments où. Enfin, c'est pas par moment, c'est certains endroits de la map qui étaient un peu injouables. Clairement, on va pas se le cacher. Du coup, ce pourquoi il y a des moments où je préférais clairement jouer sur la version chinoise parce que du coup, nouvelle map et j'avais pas de lag, peu importe où j'allais dans la map. Du coup, voilà, je connais pas trop cette nouvelle map, je connais plutôt par ici. Par ici, j'ai pas mal exploré. D'ailleurs, vous avez vu dans les gameplays sur YouTube que j'ai pu faire. Du coup, vers le nord, je connais pas trop, mais je connais bien du coup le sud de la map et le milieu de la map. Du coup, on va se diriger par là-bas histoire de pour moi découvrir, histoire de vous montrer du coup autre chose. Que de simplement aller piscine ou aller dans la ville avec les grands bâtiments qui est par là-bas et où du coup on passe 1 heure à looter sans croiser personne. Mais voilà, du coup je crois que c'est 1200 1300 PUBG qu'il faut sauter si j'ai pas de bêtises. Du coup on va se lancer, on va bien voir ça. Du coup je suis en solo, je suis bien en solo parce que à chaque fois je fais pas gaffe, mais quand je fais des vidéos comme ça hors stream, bah je lance en duo ou alors en squad, en escouade ça s'appelle d'ailleurs, ça s'appelle escouade sur PUBG Mobile. Pourquoi pas. Mais voilà. Voilà. En plus, alors un des trucs que je trouve dommage en quelque sorte, du moins à streamer et à faire des vidéos là-dessus, c'est qu'en fait les parties de PUBG sont très 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 longues en fait. Ça va durer facile 1 demi-heure quoi. Bon, sauf si on fait de la merde, si on fait de la merde, à ce moment-là la partie dure 5 minutes comme tous les Battle Royale, et voilà. Mais, ou si on n'a pas de chance au spawn, genre l'adversaire il a un pompe, on n'en a pas, tu te fais baiser, et voilà, tu retournes dans le lobby, et voilà. Mais, ouais, je trouve ça un peu dommage en vrai. Enfin, c'est pas que je trouve ça dommage parce qu'au contraire, le gameplay de PUBG me plaît un peu plus, mais du coup, à streamer, c'est une vraie galère. Parce que les parties vont durer 1 demi-heure et t'es là pendant 1 demi-heure à galérer quoi. Ouais. D'accord, on a toujours ces petits soucis là au niveau des portes. Ah, attendez, il faudra que je me mette un peu plus de son pour moi parce que j'ai pas de son perso. Je prends tout ce qui vient d'ailleurs, je connais même pas. En fait, je connais pas assez les armes sur PUBG, j'ai pas eu tant assez tryhard. Mais ça, on dirait une arme. Un genre de rifle. Mais snipe, vu qu'il y a déjà un viseur, j'imagine c'est un snipe. Le SKS. Ah non, un casque 3, génial. Je crois qu'il y a une bonne étoile. Par contre, je suis à 600 mètres de la zone. Ouais. Ouais, puis en fait, dans PUBG, on n'a pas le choix. On est obligé de se servir des voitures à un moment. Et comme vous le savez, enfin, je pense que vous le savez. Sinon, c'est pas grave. Je suis pas un adepte des voitures. Je suis genre vraiment pas un adepte des voitures. Un viseur, prends le viseur. Ah oui, j'ai désactivé le ramassage automatique. Du coup, c'est à moi de tout faire. Mais je suis pas un adepte des voitures. Et du coup, bah, j'ai plus tendance à me mouvoir à pied, en fait. À me déplacer d'un endroit à un autre à pied. Ce qui est un peu dommage. Ce qui du coup est pas adapté du tout à cette map, parce que cette map, clairement, si t'as pas de voiture, bah. Bah, c'est chiant quoi. Surtout si en plus t'es en train de streamer ou d'enregistrer, bah c'est très chiant. Pompe, j'ai ces pompes à 5 balles ou pas celui-là? Ouais, c'est pompe à 5 balles, on va plutôt le prendre du coup au cas où on tombe sur des gens. Ok, y a pas d'escalier dans cette maison? Ok. Attendez, y a pas d'étage? Ah, y a un étage à côté! Intéressant. Mais ouais. Voilà. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout.
Mais du coup, ouais, je suis un peu plus niveau gameplay, enfin pas vraiment niveau gameplay, mais niveau gameplay à streamer en fait, je suis clairement plus du coup sur du ROS, mais PUBG en vrai pour changer est cool, PUBG font des bonnes mises à jour. J'ai l'impression que le jeu est assez optimisé à chaque fois, et de plus en plus fluide, et de plus en plus agréable à jouer. Et puis bah PUBG quoi, c'est quand même une bonne renommée. Est-ce que je passerais pas plutôt sur la Thompson en vrai? J'ai passé sur la Thompson et je vais virer mes balles de pompe. Je vais gérer mes balles de pompe et je vais passer sur la Thompson. Mais je vais enlever le mode auto. Et à chaque fois d'ailleurs, vous me dites, ouais, mais t'es le seul mec qui joue la Thompson pas en automatique. Ouais. Bah faut bien se démarquer, hein, faut bien se démarquer. Il y a je sais pas combien de joueurs sur PUBG, faut bien se démarquer à un moment, les gars. Enfin, sur PUBG et les Battle Royale en général. Du coup, on est tout seul dans cette zone. Bon, on a encore fait un drop où on est tout seul, hein, génial. J'ai 2 minutes pour me bouger. C'est des balles de quoi? De 45. Ça n'ira pas sur aucune de mes armes. Enfin, ça ira justement sur aucune de mes armes. Est-ce que je switcherai pas la M16 pour. Enfin, la SKS pour la M16? Je pense qu'on va faire ça. Hein. Clairement. On va rester sur la Thompson au cas où il y a quelqu'un qui s'approche de nous. Je suis assez fan en vrai du pompe à 5 balles là qu'on avait le S. Je sais pas combien. J'ai pas eu le temps de voir les chiffres et de numéroter, les gars. On n'est pas au loto. Il y avait beaucoup trop de chiffres. Mais j'aime plutôt bien ce pompe à 5 balles. Mais en vrai, Thompson. La porte elle a l'air d'être ouverte en face ou alors c'est juste qu'il n'y a pas de porte. Ça se trouve, il n'y avait juste pas de porte. Voilà. Prendre chargeur. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles armes du coup. Je crois avoir vu ça. Mais vous me direz de toute façon dans les commentaires si jamais je me suis trompé. Parce que voilà, j'ai pas très l'habitude de jouer à PUBG. Il n'y a toujours pas d'escalier. À chaque fois, je me fais avoir. Je suis dans des maisons où il n'y a pas d'étage. Je pourrais pas faire Valérie Damido en fait. Bon, là, mon plus gros problème va être de trouver une voiture. Mais j'ai l'impression que j'ai spawn. Comme un blaireau tout seul ici. J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Je vois pas vraiment de porte ouverte à part celle de tout à l'heure, mais celle de tout à l'heure, j'ai pas l'impression que ça c'était une porte à la base. Ça se trouve, il n'y avait juste pas de porte à la base. Il n'y a pas une voiture? Une voiture là-bas, mais je pense pas qu'on puisse la conduire. En vrai, je vois rien d'ouvert, les gars. J'ai peur qu'on soit fait un spawn chiant et du coup une partie chiante. Mais au pire, ça vous fera une visite de la map. Voilà, visite de la map, une partie à 0 kill. Ok, la voiture, on peut pas s'en servir. Ça fera une partie à 0 kill, je pense. Parce que je vais mourir bêtement un moment. Ça va 100%. 100%, d'ailleurs, je crois que j'ai ramassé qu'un kit. Je crois que j'ai ramassé qu'un kit. Du coup, si jamais il y a du fight, je suis un peu dans la merde. Y a pas un bruit? J'ai cru entendre un bruit. J'ai ramassé les balles. Parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de balles du coup. Ramasse les pansements. Ça, les pansements, il y en a un, il n'y a pas de souci pour les pansements. Mais j'aurais bien aimé choper un kit en vrai. Toujours pas de kit pour le genre français. Ça, je crois que la vidéo va s'appeler Découverte, nouvelle map, PUBG Mobile, MDR. Voilà. Parce que là, on visite en vrai. Hein. J'espère que ça vous plaît. Ça fait une petite visite guidée. On est à 400 mètres, on a 13 secondes. On va prendre des dégâts. En vrai, le jeu est assez stylé quand même. Pour un jeu mobile, c'est assez bien foutu. Mais c'est vrai que du coup, quand on arrive sur ce genre de partie où du coup on va passer notre temps à marcher, je vois pas de voiture près du. Sur la route en plus, toute la sainte journée. MDR, vous connaissez la référence évidemment. Mais pas de voiture visiblement, ou alors elles ne sont pas chargées. Mais comme il y a la texture des arbres en face, s'il y avait une voiture, je pense qu'on l'aurait vu. Bah on va arriver près du bombardement, du coup peut-être des ennemis, peut-être enfin de l'action, ça serait bien. Histoire de ne pas passer une game à commenter. C'est pas que j'aime pas commenter, hein, j'adore parler, vous raconter ma vie, etc. Mais là, c'est pour ça que c'est bien des fois d'être en duo. Pour ça que c'est bien les Battle Royale en duo, parce que du coup tu te fais pas chier comme ça en fait. Parce que là clairement, on se fait chier quoi. Là, vous êtes juste en train de me regarder. Le pire, c'est je sais pas en fait. Mais je trouve ça triste en fait à s'enregistrer et tu. Tu fais rien quoi, juste tu te balades, tu découvres la map. C'est cool, on peut sauter sur ce jeu, vous avez vu? Tellement y a pas d'action en fait, il se passe rien. À aucun moment. On était près d'une zone rouge, hein. On a vu tout à l'heure. Au niveau du gaz, il y avait une zone rouge. Du coup, il y a peut-être des ennemis dans le coin, on va prendre une arme au cas où. Prendre une arme au cas où. Le jeu est assez quand même fluide. J'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré le truc. Ah! There's one enemy. Take the M16 because I have a scope. Ah, donc. Ah, t'es en rafale, d'accord, tu m'avais pas prévenu. Tu m'avais pas prévenu. J'ai loupé un parce que j'étais en rafale pour ma défense et j'avais pas du coup la x4 sur mon arme. Mais comme on est en train de rush, la x4 devient inutile.
Tu peux éviter de me tuer, s'il te plaît, je suis en train d'enregistrer pour YouTube. Sois gentil, mon ami. Où est-ce qu'il est ce margoulin? Voilà. Ça se trouve, il a tracé, il s'est barré, il entend. What? Ah, c'est un bot, un BOT. Un bot. Une trousse, merci mon ami. C'est vrai que j'ai pour habitude de cliquer pour recharger, alors que recharger, il faut appuyer sur le bouton pour recharger. C'était un bot, rien à voir avec les chaussures, MDR. Parce que vous allez la faire la blague en fait. À chaque fois, il y a des gens qui disent, quand je parle de bot, il y a des gens qui me disent, rien à voir avec les chaussures. Effectivement, rien à voir avec les chaussures. C'était un. Attends, il s'est pas allongé. Peut-être que lui, c'était pas un bot, mais au moins il y a de l'action. Vous avez vu comment je gère avec mes armes à feu? Putain, la tristesse, les gars. Mais on a enfin rencontré du monde en vrai. Mais bon, on aura mis 5 minutes à rencontrer du monde. J'aurais bien mis la x4 du coup sur ma M16. Là, on est d'accord, j'ai la M16, ouais. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Est-ce que je peux zoomer? Et j'ai pas de lag. Et là, vous voyez, là, j'ai pas de lag. Parce que du coup, sur l'ancienne map, enfin, quand j'ai joué à PUBG il y a genre un mois, là, sur l'iPad 2017, celui que j'ai actuellement. Bah, il y avait des lags quand j'étais à la x4. Du coup, j'étais obligé de jouer x2. Sinon, c'était. C'est pas que c'était injouable, mais genre, c'était assez infâme. Du coup, là, on se balade tranquillou. À tout moment, on peut tomber sur un ennemi. Allez, hop. Ah, j'ai changé. J'ai cliqué sur la Thompson, mais cliqué sur les balles. Pourquoi pas? C'est vrai que la zone est très longue dans ce jeu. Elle met à peu près 15 ans à arriver. C'est extrêmement long. Je vérifie que je suis en train d'enregistrer. Parce que sinon, ça fait 10 minutes que je parle tout seul comme un gogol. 11 minutes, 12 minutes. Putain, les gars, on aurait mis 10 minutes avant de croiser des ennemis. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez, pardon? Parce que même moi, je m'ai mal à parler, ça devient n'importe quoi. On est déjà à deux frags, un bot. Un bot et un mec perdu, c'est plutôt. Plutôt du bon contenu là que je vous propose, je pense. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui font des parties à 2 kills dans une game et qui la postent sur YouTube? Bon, bah Datsum l'a fait. Mais c'est pas un exemple, quoi. C'est pas. Moi, je vise plus haut, je vise Kingstar par exemple. Voilà, Kingstar, il fait des 30-40 kills. Du coup, toujours personne apparemment. Du coup, on va se balader dans le champ. J'ai pas vu une voiture tout à l'heure à un moment? Ah, je sais plus. Je crois que j'avais vu une voiture à un moment. Je crois que j'avais vu la voiture à un moment. Mais moi, je sais plus, je commence à douter de moi-même. Il y a pas une... Ah ouais, la zone rouge, elle est super loin quand même. Parce que du coup, vous le savez. Ah, il y a un avion là-bas, peut-être un largage. Non. Peut-être un largage, on va se diriger vers l'avion. Mais en gros, comme vous le savez, les zones de bombardement, c'est pour ça que j'y vais en général sur les Battle Royale. C'est parce que du coup, c'est là qu'il y a du monde. C'est là qu'on va pouvoir se fight, rencontrer des gens. Pourquoi pas se faire une bouffe ensemble ou alors se tuer si jamais ils sont hostiles. En général, ils sont hostiles. Hein, y a pas de... On va pas se le cacher. En général, ils sont plutôt hostiles, les gens dans les Battle Royale comme ça. Ils cherchent pas à faire connaissance, alors que ça pourrait être sympa. Hein. En vrai, organiser des rencontres in-game comme ça, en mode salut, tu fais quoi? Ça fait longtemps que t'es là? Bah non, ça fait 20 minutes avant, j'étais dans le lobby du con. Bah, personne fait ça en fait. Personne fait ça, malheureusement. Les gens sont assez perso en vrai. Totalement perso. Pourquoi ça me dit zone de jeu par là-bas? Je vais où je veux, mec. Si je veux aller par là, je vais par là. J'irai quand même dans la zone de jeu après parce que le gaz il va un peu mal. On a des grenades, ok. Alors, un truc que j'aime pas aussi, c'est les grenades. Je trouve que les grenades c'est pas pratique, ça met trop de temps à être envoyé en fait. Tout ce qui va être grenade fumigène, je trouve que sur Ross en vrai, en deux clics assez rapidement, tu peux envoyer une grenade. Bon, faut la tempo, mais tu peux envoyer une grenade assez rapidement, je trouve. Alors que là sur PUBG, je trouve que finalement, quand tu vas vouloir lancer une grenade, ça va être assez long. Mais c'est un avis personnel. Je pense que c'est aussi un coup de main à prendre. Une fois que tu as pris le coup de main, tu arrives à acheter des grenades rapidement. J'ai pas d'exemple. Du coup, je vais juste dire rapidement. Tu arrives à acheter des grenades rapidement et on va s'arrêter là. Casque militaire, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un truc étourdissant. Grenade étourdissante ramassée. Tu dis si on fait top 1, je rigole en vrai. Mais je pense pas faire top 1 parce que du coup, c'est longtemps que j'ai pas joué. Je sais même plus qu'est-ce que je suis classé. D'ailleurs, je crois que les dernières parties, je les avais fait avec des gens qui étaient un peu classés, qui m'avaient un peu aidé à monter dans le jeu et qui m'avaient appris 2-3 trucs. Du coup, là, si je suis toujours avec ce genre de gens, bah ça va me faire chier parce que là, je suis tout seul quoi.
Je suis tout seul et je suis bof à PUBG, on va vraiment pas se le cacher. On va pas se le cacher. Il y a des balles là pour ma Thompson. Génial. Je peux avoir des balles pour ma rifle ou pas? Ma M16. Il y en a là? Non, il y en a pas. Dommage. Des balles d'SMG. Je n'ai rien à foutre. En vrai, SMG à part la Thompson, la Vector à la limite, pourquoi pas? Mais en fait, le truc, c'est que c'est très situationnel comme arme. Et c'est soit très début de game, je trouve. Alors, je trouve, je suis pas un pro player du tout. Mais je trouve que c'est très soit late game, soit très early game. À savoir que du coup, je crois avoir vu un mec là-haut. C'était juste une branche. On va quand même y aller. Parce que je crois vraiment avoir vu quelqu'un tout à l'heure. Mais du coup, c'est soit au début pour vraiment au corps à corps avec quelqu'un, soit vraiment plus tard. Et toujours pas de voiture. En vrai, j'aurais dû me rapprocher d'une route. J'aurais dû longer une route. Faire un truc pour trouver une bagnole. Parce que là, sinon, la partie va durer 15 ans. En vrai, la map est plutôt. Alors, pour le coup, c'est très bien foutu parce que du coup, on l'a testé sur Timmy ou Titi, je sais plus ce que c'était exactement, mais dans les commentaires, vous allez me dire, bah, c'est ça du con, parce que j'aurais oublié. Mais la map est un peu mal foutue dans le sens où y a des moments où la map n'était pas du tout mappée en fait, où elle n'était pas texturisée. Oui, il y a des bruits. La map n'était pas texturisée du tout, du coup, il y a des moments où c'était chiant en fait, parce que t'avais pas de texture quoi. Ils sont où les tirs? J'ai pas son du jeu assez fort en fait, j'entends à peine l'avion qui vient de passer. Je pense que ça se fight au niveau de la route. Toute la sainte journée. Je rigole, j'arrête. Promis, j'arrête. J'arrête avec cette blague bientôt, promis. Mais j'ai cru entendre des tirs qui venaient des maisons au début. Un campeur. Il y a une voiture là-bas. Il y a une voiture, les gars. Good news. Ah, je vois un mec. Boum, 4 frags. Très bonne game. Alors le mec qui s'est allongé, à mon avis c'était un bot, mais ça me paraît bizarre que le bot arrive sur le mec comme ça et le tue. L'autre mec c'était pas un bot. Mais voilà. Au moins il y a de l'action, hein. Vous pourrez pas dire qu'il n'y avait pas d'action. Franchement, t'aurais dû faire du montage. À aucun moment les gars, j'aurais fait du montage. J'avais vu toute l'action qu'il y a dans la game. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que je vous mens? Un peu, j'ai honte. J'ai honte de vous mentir. Mais Osef, MDR. Alors, il y a une voiture là. Ça c'est le. Ah, c'est pas le mec qui s'est allongé. Merci, merci. J'ai plus de place par contre. Et je n'ai pas de bad rifle. Du coup, on va faire un truc. Attendez, je vais voir ce que lui il avait. Mais comme c'est un bot, il devait pas avoir grand chose. Il faut que je fasse un truc 2 secondes. Il faut que je m'allonge, je rentre dans mon inventaire. Si... les méchants dans la partie, si vous pourriez éviter de venir maintenant et me tuer, ça m'arrangerait s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous m'avez pas tué, vous êtes gentil. On sait, à chaque fois, à un moment, tu vas. La game, tu vas faire là comme je fais que de l'action. Genre vraiment que de l'action. Exactement comme là. Et au final, il y a un mec, il arrive au moment où tu t'allonges et où tu vérifies ton inventaire et le mec, il te tue. Ok, espace insuffisant. Là, je suis totalement d'accord. Est-ce que je prends la voiture ou pas? Je prends de la voiture. Je déteste conduire dans les Battle Royale. Alors que dans la vraie vie, j'ai pas de voiture, du coup, je conduis pas. Enfin, ça règle le problème. J'ai pas la question à me poser, j'ai pas de voiture, du coup je peux pas conduire. Oh, il y a du tir par là? Ouais, d'accord. Okay. La voiture, c'est ingérable. Alors moi, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous abandonner là. Je vais vous abandonner là parce que clairement la voiture, ça me gave. Mais il y a eu des tirs dans le coin. Ah, non, ta texture. Ah, c'est parce qu'il y a un colis. There is a airdrop on the map. You can see it because of the smoke. C'est super dangereux par ici, la vache. En plus, il va faire super chaud, hein. Désert comme ça, gros. Et l'autre, elle se balade, elle est avec sa petite chemise noire, pas de soucis, comme le chanteur de Linkin Park. RIP, d'ailleurs. Mais pas de soucis. Il doit faire genre 30 degrés à l'ombre, elle est en petite chemise noire, jean et tout, pas de soucis. Pas de soucis, ma gueule. La fumée du colis, elle dure 2 secondes ou comment ça se passe? Il y avait des tirs par là, non? J'avais cru entendre. Je sais pas. Prends pas de dégâts de chute, s'il te plaît. C'est pas le moment. Prends pas de dégâts de chute, s'il te plaît. C'est toujours pas le moment. Je suis sûr qu'il y avait du monde par là. Ça se trouve, l'airdrop était plus loin en fait. Mais je le verrais s'il était là. À moins qu'il soit caché. Je ne sais pas, Watson.
Je ne sais pas. Un truc qui est cool, c'est que le jeu te dit, vous voyez sur la minimap en haut à droite, le jeu te dit où était ta voiture, ça c'est vraiment cool. Vous savez quoi, ça me gave, on va chercher la voiture en vrai. Parce que je veux bien qu'il n'y ait pas d'action, mais... Bah merci Poupinou pour ton follow à la chaîne. Je me suis fait tirer dessus, hein. Ah oui, les balles me frôlent. Les balles me frôlent et il y a un mec qui arrive en voiture. Où est-ce qu'il est le mec qui me tire dessus? Il serait pas en train de camper en face? Non. Où est-ce qu'il est? Ah, il y a une voiture, une voiture. Je tente des trucs. Ah. Wesh, d'où est-ce qu'il est? Attendez, mais ça m'énerve, je vois pas. Attendez, il y a pas un mec allongé là-bas? Non, texture. Oh, j'ai pas de canette! Oh l'enfer! Je suis grave dans la merde. J'ai pas de canette et personne m'avait dit. Où est-ce qu'il est le mec? Je déteste ce genre de duel. Je me tire! Même pas pourquoi je suis parti sans mentir. En fait, j'arrive pas à le voir, c'est ça le truc, c'est. Dans les buissons, non? Ah, là-bas en face. Bah ouais, mon gars, moi aussi je peux mettre des balles. Alors lui ne s'est pas visé visiblement. Mais cette pute, il attend que je sois en train de tirer pour me tirer dessus. Mais bon, moi maintenant je sais par où est-ce qu'il est. Alors là, mon gars, la vie de ma mère que je te défonce. Bah, je l'ai reperdu de vue. Qu'est-ce qu'il branle en vrai? T'as que ça à foutre? Faut que j'aille loot. Ça se trouve, il avait des. Ah, bah, il y a un autre mec là-bas. Attendez, attendez, on prend un risque. We take the shot. Bah, lui aussi, il en profite pour tirer. Mais j'ai plus de gilet? Ah non, c'est que j'avais pas de gilet 3, ok. Bon, il y a toujours le pépère en face, hein, visiblement, qui ne s'est pas visé, et il y a un mec là-bas. Tu peux arrêter de courir? Merci, nickel. Non, t'avais arrêté de bouger, c'était bien. Arrête de bouger, voilà, nickel. T'as re-arrêté de bouger, c'était nickel. Non, mais je pue la merde ou quoi, ce jeu? Non, je suis touché, je suis touché. Viens là. Te laisse pas tuer par l'autre. S'il te plaît, te laisse pas tuer par l'autre. Nickel, y a tes pieds. Oh putain, j'ai plus de balles. Bah, il s'allonge que maintenant, lui. Je t'ai tué, d'accord. Il y a re l'autre salope en face. Il est là-bas, je l'ai vu. Ok. Alors, maintenant, moi qui suis dans la merde et qui dois traverser. J'ai jamais testé le truc de se pencher sur PUBG. Est-ce que ça marche bien? Crois que ça va se fight, il va se faire défoncer un moment. Mais je peux pas avancer. Il faudrait que j'aille. Il y a un rocher là. Des rochers là. Yves Rocher. Mais c'est. Y a plusieurs mecs là en fait à me tirer dessus. Bah oui! Vous êtes tous sur moi, c'est ça? Vous êtes. Ceci dit, heureusement qu'il s'est pas très bien visé. Hein, parce que sinon, je serais un peu dans la merde. Saute, 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 on n'a pas le temps. Faut que j'aille dans la zone. I have to go in the zone. Tu peux me lâcher au bout d'un moment? Je te jure que si je te trouve, mec, si à un moment j'arrive, j'ai un angle de tir, je te défonce. Mais genre, je te défonce, mec. Il n'y a pas à tortiller du cul ou je sais pas quoi. Je te jure, si j'arrive à juste en caler une. Tiens, il est en train de bouger ce bâtard. Il a changé d'arme. Il est mort. Yes, on l'a tué. Un tir à la tête.
Faut que je recharge. Ferme la porte. On l'a eu, les gars. Ça, c'est une leçon. C'est une leçon de vie qu'il faut que vous appliquiez. Quand quelqu'un vous tire dessus sur Miramar, vous le contournez. Enfin, vous n'allez pas appliquer ça dans la vie de tous les jours très souvent. Du coup, il faut que j'aille le loot maintenant, le pépère. Putain, il m'aura bien fait suer quand même, hein. Un vrai enquiquineur. J'essaie de pas dire de gros mots, c'est compliqué. Mais j'essaie. Ça va, j'y arrive en vrai. Fouf, 30 minutes pour ça, quoi. Prends les calmants et j'ai les 3. T'es painkiller. Oh. À chaque fois, j'ai l'impression de voir du gens, alors qu'en fait, c'est juste de la texture. J'ai de la texture. J'ai pas pu loot, pardon, le mec que j'ai tué près de la route, near the road. Un peu dommage, j'aurais bien aimé aller loot. Ah bah, zone de jeu qui a tué du monde, invisiblement. Et il est là. Ok, il y a le colis par là-bas, on va essayer de s'en rapprocher, on va contourner, on va longer le gaz. Un sac 3, génial. Et en plus, t'as des boissons pour moi. Merci, frère. Ah, espace insuffisant. D'accord. Voilà, on va faire 100. Je peux prendre celle-là ou pas? Non, espace insuffisant. D'accord. J'ai deux canettes. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans mon coin, sinon il serait venu clairement avec les tirs, hein, à moins d'être sourd ou de jouer sans le son. Ce qui arrive. Mais sinon, il serait venu. Putain, il y a déjà 26 minutes de vidéo. Ce que je vous disais en fait. Les vidéos sur PUBG sont extrêmement longues et on arrive facilement sur du 30 minutes de vidéo. Et le pire, c'est qu'à la fin, comme ça, en fait, j'essaye d'entendre le bruit. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'entends avec ma tête. Tout va. Tu fous tes quoi? Mais tu fous tes quoi, toi, exactement? Il y a des bruits de pas. Non? Si je deviens fou en plus? Je deviens fou. Quel est ce monde? Et en plus, je suis totalement à découvert là. On m'appelle El Bambino, c'est moi. Il y a un film qui sort sur ma vie bientôt au cinéma. El Bambino. Muchas gracias. Et je ne peux rien prendre en plus, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je vais te loot? Non, texture. Texture, quel enfer. Je devrais peut-être prendre une canette, je suis pas full vie. Il faut que je bouge pour la zone, mais en vrai, bah, va y avoir du monde. Hein. Bâtiment, qui dit bâtiment dit du monde. Évidemment, c'est dans les règles des Battle Royale. Bâtiment égale tu campes. Toi ou les autres, hein. Enfin, vous ou les autres. Ouais, vous avez compris, c'est bon. Pas besoin de m'expliquer là-dessus. Ok, et des tirs par là-bas. Shot crossed. Near 2, 1, 0, fire shot. Six people left. Five with me, of course. Because of Brian. J'ai cru qu'il y avait un mec allongé là. Qu'est-ce qui branle allongé là? Ok, des bandages. That's all. On va contourner. On va passer tranquillement par ici. Y aurait pas du monde en face par hasard? Pas des gens qui traversent, des petits bambis comme moi. Là, parce qu'en vrai, là, les gars, je suis en mode fou. Pourquoi il s'est accroupi? Tu savais que t'allais mourir? Ah, je suis dans la zone, je déteste ça. Canette. Je sais pas pourquoi il s'est accroupi, les gars. Peut-être le stress. J'aurais peut-être. Oh, y a du monde. Y a du monde. Chut, faites pas de bruit. Je me fais shoot, je me fais shoot. Non! Je l'ai pas tué, je sais pas où il est. Non mais antibiotiques, dépêche-toi, les painkillers là. Où est-ce qu'il est, la salope là? Parce que ouais, t'es une salope. Qui m'a tiré dessus alors que j'ai tué sur un mec. L'autre il doit être de l'autre côté. Il va y avoir la zone. Faut que j'ai pris une position.
Il est toujours là-bas, le mec en face. Tu m'as fait mal. Il y a le mec qui est de l'autre côté de la route. Toute la sainte journée. ça va, j'arrête. Promis, j'arrête. Promis, j'arrête. Recharge. Où est-ce qu'il est? Il m'a tiré d'assez loin. Du coup, il doit être vraiment de l'autre côté. Et on va peut-être le voir traverser, à moins que il soit déjà en position derrière un caillou. Non, il est là-bas, je l'ai vu. Il est en face. Il a failli m'avoir. Non, bah non, annuler, c'est ma dernière canette. Est-ce qu'il montre toujours sa tête? Bah ouais, il va plus montrer sa tête avec ça. Il faut que je bouge. Ah putain. J'ai pas réussi à le tuer, c'est bien dommage. Je sais pas où il est. C'est quoi? On va avancer petit à petit. Me touche pas, me touche pas. Me touche pas. Me touche pas. C'est pas passé loin, je les ai entendus. Ça m'a frôlé. Ok, génial. Arrêtez de vibrer. Je suis pas dans la zone, il faut que j'aille au caillou en face. J'ai 45 secondes pour bouger. J'ai pas compris, les balles sont passées alors qu'il venait de se décaler? Et bien foutu votre jeu, Tencent. Oh mais tu jettes une grenade ici? Ouais, top 1, winner winner chicken dinner. Allez hop, salut. Ouais, voilà quoi, top 1. J'espère que ça vous aura plu du coup. Continuez, qu'est-ce qu'on a gagné? Votre score SSS. Je fais un screenshot évidemment. D'ailleurs, j'ai regardé à côté de la caméra. N'importe quoi, faut arrêter la drogue. Je fais un screenshot, ça ira sur Twitter. Il y a mon Twitter en description. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, bah, première game, premier top 1. Je pensais avoir fait du montage, avoir fait un truc en mode tu fais l'intro, mais c'est sur une autre game que tu fais top 1. Et voilà, du coup, plutôt cool en vrai. Première game, premier top 1. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, je pense en faire en stream, mais du coup, en duo, parce que comme vous avez pu le voir, en vrai, c'est très chiant quand vous êtes tout seul. Cadeau de la mage? Je prends ma gueule. C'est quoi? On peut même ouvrir des caisses d'ailleurs avec ça. Avec toute cette thune! Vas-y encore! J'ai pas assez? Ah, bravo, hein. C'est un jeu qui se moque de la gueule des pauvres, ça encore. Du coup, voilà, je vous abandonne. Je vous dis à la prochaine, YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez plus de vidéos sur PUBG Mobile, sur Miramar ou sur l'autre map. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée ou soirée à vous, ou après-midi, ou matinée, ou peu importe, ou même petit déjeuner à vous. Pourquoi pas, je sais pas quand sortira cette vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine, YouTube. Au revoir, au revoir.